Okay, welcome everyone. Very happy to see you. I'm Megan Loram. I'm the new director of photography at the New York Times. This is Josh Hainer, one of our staff photographers and also a senior technology editor, which we'll talk about a little bit later. And of course, Christophe Peter, who's been gracious enough to host us here in conversation. Yes, thank you very much. It's a great honor to be here. Yeah, for us too. It's a really great partnership. It's a formidable partnership. Please go to see the show afterwards. Je vous invite surtout à visiter l'expo tout à l'heure. So downstairs you'll see, or perhaps you have already seen, an exhibit of Josh's work from the past 4 years. He's been focusing on visualizing climate change in general and more specifically looking at climate migrants and also the ways, the effects of climate change as far as cultural heritage sites and wildlife. And you will see in the exhibit quite a lot of photography, of course, but Josh also works with drones pretty frequently. And I think just to get started, just to give you a little bit of an overview of some of the work he's done, we're just going to show you a video that kind of goes through a little bit of some of the work that he's done. And we're going to dim the lights for it, too. Mind bringing the lights down? Thank you. And the sound. We're not going to do sound. Sorry, it was just a test. Okay, take two. Take two. It's just a beautiful little serenade of music ambient here. Ambient soundtrack. Going on. You're not missing any actual content by not hearing the sound. C'est dommage parce qu'effectivement il y a une très belle musique. La bande sonore est assez belle, mais même s'il n'y a pas de contenu. But we're taking you through some of the 14 countries that I visited over the last 4 years. On vous montre les 14 pays que j'ai visités. Some of the projects that will be going into deeper detail in a little bit. Et on va voir ces pays de façon un peu plus détaillée dans quelques instants. Oh yeah, can we lower the lights? Est-ce qu'on peut faire baisser la lumière? That's my 10-month-old daughter. Vous entendez ma fille âgée de 10 mois?
So, Josh, I think at this point it might be a great time to tell everyone about how you originally got involved in covering this topic, since you have invested so much time in it, and sort of how you landed on this particular approach to covering the topic. Vous avez décidé de l'approche à suivre. Quand j'étais recruté par le New York Times, c'était surtout pour mes compétences techniques. Je devais donc être éditeur en charge de phototechnologie, chercher la possibilité d'expérimenter de nouvelles technologies. Lorsque les drones sont apparus, j'ai appris à m'en servir et à les maîtriser. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut les intégrer dans notre salle de rédaction pour mieux raconter nos histoires au moyen de drones. Quand on adopte une nouvelle technologie, on ne s'en sert pas tout de suite. On veut d'abord bien comprendre en quoi ça peut être intéressant pour le lectorat. Alors, le premier endroit que j'ai été avec des drones, c'était au Groenland. C'était pour une histoire un peu spéciale. C'était sur les chercheurs sur le camp qui est en plus haute latitude, avec un lieu où ils ont 10 000 pieds d'eau douce sous les pieds, et ils mesurent la teneur de la neige pour essayer de comprendre la teneur des polluants qui accélèrent la fonte de la banquise. Donc, je me suis rendue en avion et j'ai vu en fait des grandes étendues d'eau de l'avion. Et c'est sur l'étendue d'eau douce la plus importante après l'Antarctique au monde. Donc ces étendues d'eau racontent toute l'histoire du changement climatique et je voulais mieux comprendre cela. Il y a des rivières qui quittent ces étangs. On voulait voir où se dirige cette eau et quelle était la partie de la quantité de ou la proportion de l'eau qui venait de la banquise. Donc j'ai monté à bord d'un de leurs hélicoptères pour me rendre sur le site de recherche sur la banquise au large du Groenland. Pendant 7 jours, ils envoient une bouée dans la rivière qui mesure la quantité d'eau qui est en train de quitter la banquise groenlandaise. Et c'est là que j'ai pris mes premières photos qui ont été publiées par le New York Times. Et ce que vous voyez ici, c'est à 21h le soir. Donc, c'était une époque de l'année, bien sûr, où le soleil ne se couche pas. Et je n'avais que des batteries pour 8 minutes de temps de vol, vu la force des vents et le froid. C'était la première fois que j'utilisais ce drone pour une mission photographique et j'ai eu la chance de récupérer ces images. Quand je suis revenue avec ce film, on s'est dit qu'il fallait raconter une histoire encore plus importante sur le Groenland. Alors voici une carte qui réunit des données satellitaires qui va jusqu'au niveau de cartographie à bord d'avion. Et c'est ainsi qu'on a pu mesurer la quantité d'eau en surface. Et ici, on fait une fusion des données satellitaires et des données récupérées par le drone. Nous avons beaucoup de chance, on travaille dans une salle de rédaction avec des collègues qui sont des éditeurs graphiques talentueux et qui donc nous aident à intégrer les images produites par Josh et d'en extraire une histoire plus complète. Et une fois qu'on a compris quel était le potentiel qu'on avait entre les mains, ça nous a amené à réfléchir à comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire des changements climatiques avec ce type de perspective et de regard. La photographie obtenue par drone, comme vous le savez, est beaucoup plus présente. Et on ne voulait surtout pas sursaturer le rapport. Et plus on utilise un médium donné, plus ça peut perdre de sa force. Donc on voulait l'utiliser de façon vraiment intelligente. Mais ici, on voulait absolument bien faire passer l'énormité des changements climatiques. Et la perspective qu'offre la photographie par drone nous donne cette sensation. Et on voulait aussi donner le sentiment du transport. C'est-à-dire on voulait qu'on ait le sentiment d'aller dans ces régions, dans ces contrées.
Et c'est une chose dont on parle beaucoup dans le milieu de la photo. Donc après ce reportage sur le Groenland, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire avec cette nouvelle technologie. Donc on a conçu un projet sur la migration résultant des changements climatiques, c'est-à-dire les réfugiés climatiques. J'ai donc passé un an sur 8 sites où je regardais ce qui se passait dans la vie de ces réfugiés climatiques. Nous sommes d'abord allés dans les îles du Pacifique et on voulait voir où va l'eau qui quitte les Groenlandes. Donc on s'est arrêté pour la première fois dans les îles Marshall et voici une vidéo que j'ai faite à marée haute et ça vous montre très visuellement le degré de précarité de ces îles qui, sont maximum à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et la fonte de la banquise du Groenland pourrait faire augmenter le niveau ici de 6 pieds. Et on voit ici déjà l'étendue de l'érosion. Et c'est une image qui est concise, qui exprime tout ce qu'il y a à exprimer. Il n'y a pas de possibilité de ne pas comprendre ce que l'on voit. Et ensuite, quand on passe à l'image suivante, une fois de plus, on ne voulait pas donner un point de vue omniscient. On voulait que celui qui regarde ait le sentiment d'être lié à l'image. Et on voulait toujours faire en sorte que la photographie par drone, qui peut avoir donner cette sensation de détachement, était complétée par ces photographies prises en direct qui pouvaient raconter l'effet personnel des changements climatiques et la façon dont les vies sont impactées par les changements climatiques. Cette photo est une photo d'une femme qui s'appelle Tabuena qui plante des palétuviers en période de marée basse. Elle essaye de créer une barrière physique entre l'océan et là où elle habite, et avec 10 autres femmes de son village. Et ils avaient pris des petits plants de palétuviers, donc des mangroves, et les planter pour réellement créer une barrière contre la mer. Et j'ai pensé que l'image était très saisissante. Ça permettait de montrer vraiment ce que peut faire l'individu face au changement climatique. Oui, c'est le fait de raconter l'histoire, mais aussi l'esthétique de chaque image. Parce que même si chaque image a une valeur documentaire, on a vraiment l'impression que la recherche que vous faites est un processus long, mais la qualité esthétique de chaque image est indéniable et très forte. Est-ce que vous prenez beaucoup de prises de vue? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Non, justement, arrivé à ce moment-là, c'était incroyable. La nuit d'avant, j'ai dormi à la Belle Étoile, juste à l'extérieur d'une église. Et les gens de la communauté sont venus pour rencontrer le photographe qui était dans leur village, parce que c'est une toute petite île du Pacifique, et Tabuena est venue à l'heure du dîner, et elle m'a invité à venir la voir le lendemain chez elle. Et quand je suis arrivée chez elle, je ne savais pas pourquoi. Et elle a voulu montrer son projet. Et c'est le simple fait d'avoir passé du temps sur place avec les gens. On comprend beaucoup mieux toute l'histoire. Ce n'est pas des choses qu'on peut prévoir à l'avance. Et pour cette image-ci, j'ai pris beaucoup, beaucoup de photos et j'ai joué également avec la profondeur de champ pour essayer de l'isoler, elle, tout en montrant l'étendue, le côté absolument vaste à l'horizon. Et Josh en a beaucoup parlé alors qu'il faisait ses photos. Et on en parle beaucoup dans le contexte de la photo d'actualité. Bien sûr, on veut raconter une histoire, on veut attirer l'attention sur une problématique donnée. Et une façon pour y parvenir, c'est d'esthétiser la chose, parce que c'est ce qui attire les gens. Mais bien sûr, en étant très prudent, de ne pas trop esthétiser de ce qui pourrait être une situation absolument catastrophique pour ceux qui la connaissent. Il y a vraiment un juste milieu. Et d'ailleurs, si vous regardez l'œuvre de Josh en bas dans le salon, vous verrez que c'est absolument magnifique.
même si les thèmes sont terrifiants. Et c'est vrai qu'il y a là une tension intéressante, et c'est l'un des biais par lequel on attire les gens, et on demande aux gens de faire attention, de prêter attention à des images qui racontent une histoire. C'est pas un ours polaire qui est agrippé à un iceberg en train de fondre. On a vu cela. Et c'est vrai que les gens sont déjà un petit peu insensibilisés face à cela. Donc la difficulté pour Josh et pour nous aussi, quand on veut décider de la prochaine histoire, on se pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on a déjà entendu cette histoire? Est-ce que les gens sont déjà au courant? Et il y a des choses que Josh n'a tout simplement pas filmées ou photographiées parce que ça paraissait trop convenu. Il est difficile de montrer des choses qui se sont produites par le passé. Difficile d'aller dans un endroit où quelque chose s'était produit l'année d'avant ou celle d'avant encore. Vous voyez ici un ancien mur, une ancienne défense près d'un hôpital. La maternité avait été inondée, et là je reviens un an plus tard après cette inondation et nous regardons ce que cette communauté a fait. Il va falloir ériger un nouveau mur qui déjà a l'air plutôt fragile. Et il est devenu tout à fait évident que les personnes ressentent déjà les effets du changement climatique. On a toujours l'impression que l'on parle de l'avenir, mais ici, vous voyez que des personnes par marée haute ne peuvent plus rentrer chez eux, et lorsqu'ils vont faire des courses, et ils ne pourront rapporter les courses que lorsque la marée baisse. Ce que nous pensons souvent est que lorsque l'on plante ces palétuviers, ce sont des petites choses qui font la différence. Sauf que s'il n'y a pas de coordination, beaucoup de problèmes peuvent survenir. Ici, il y a par exemple ce mur de protection. Je suis allée sur ce lieu le jour suivant, et c'est la maison qui a été inondée, parce que si l'eau est arrêtée par un mur, eh bien l'eau va aller ailleurs. Et si on protège la maison, eh bien l'eau ira encore ailleurs. Il faut toujours réfléchir en amont, et lorsque l'on pense au climat, au changement climatique, il faut toujours penser en avance. Vous avez par exemple ici ce cimetière, il y a toute une rangée qui est déjà inondée, que l'on ne voit plus. Vous voyez que littéralement, cette communauté perd ses ancêtres au fur et à mesure qu'avance la mer. Une des maisons a abandonné, ceci est dû à l'érosion. Voilà le taxi qui amène les habitants chez eux lorsque la marée est trop haute. C'est le seul moyen de locomotion, c'est le seul moyen de rentrer chez soi. C'est une scène merveilleuse, certes, mais lorsque vous pensez à la réalité quotidienne de ces personnes, c'est horrible. Là aussi, il faut réfléchir à toutes ces situations. Dû au changement climatique. Et nous devions également vérifier que toutes ces histoires racontées étaient des histoires de personnes qui n'étaient finalement pas tellement loin des États-Unis, auxquelles les Américains pouvaient s'identifier. Josh voulait également montrer des exemples pour les États-Unis, ayant lieu aux États-Unis. Voilà une communauté qui a été affectée par le changement climatique. Là aussi, ces personnes, c'est une île en Louisiane où des personnes qui ont bénéficié d'un financement de 43 millions de dollars pour être relocalisées. Il s'agissait d'une quarantaine de foyers. Et lorsque l'on imagine ce que représente financièrement
la relocalisation de ces personnes. Après tout, un voisin n'a pas forcément envie de se retrouver à côté du voisin qu'il a connu pendant des années sur cette île. On s'est disputé, par conséquent, on n'a pas envie de revivre ensemble. Il faut réfléchir à tout cela, qu'il s'agisse de Miami, qu'il s'agisse de Venice. Ce sont des histoires réelles. Voilà le premier exemple de projet qui, pour moi, est très significatif. Vous voyez Amaya qui joue avec une fleur. Nous sommes pas loin du coucher du soleil. Voici sa maison qui a été déplacée de 7 pieds. On a essayé de l'éloigner de l'inondation, mais vous voyez qu'il y a un trou dans le sol de sa chambre à coucher. Et lorsqu'il y a inondation, ce qui forcément se produit annuellement, eh bien, il faut maintenir ce trou en place pour que la boue puisse ensuite être évacuée. Même communauté, mais en Alaska. Il s'agit là d'une communauté d'Alaska qui dépend de la chasse, les baleines. Et ce qui est tout à fait unique ici est que lorsque ils ont utilisé la viande de cette baleine, ils laissent en place les ours polaires le savent. Et ils recherchent, ils abandonnent leur recherche de phoque. Donc, ils préfèrent aller vers ces os pour essayer de trouver peut-être quelques petits bouts de viande sur ces os. Ce qui représente un problème pour cette communauté. Pourquoi ? Parce que ces ours polaires se rapprochent de leur communauté. Vous savez maintenant la police qui essaie de les éloigner. Pourquoi ? Parce que les ours polaires font également les poubelles maintenant. J'adore cette image. Cela vous en dit beaucoup. Évidemment, cela a l'air magnifique, très propre, très esthétique. Mais vous avez la position de cet ours polaire qui vous tourne le dos. Nous avons l'impression que l'ours polaire est toujours très blanc, blanc comme neige. Et il s'est rapproché de cette communauté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de glace. Il ne peut plus vivre là où il a l'habitude de vivre. Il ne peut plus chasser les phoques. Et on comprend très, très bien l'indice, on comprend très bien ce que suggère cette image, qui certes est très belle. Eh bien, nous avons regardé beaucoup d'eau, mais il y a également le problème de la désertification. Voici maintenant l'extension du désert de Gobi, Chine. Et nous avons passé quelques semaines, quelques mois à analyser également l'évolution de ce désert et ce que cela signifie pour les villes environnantes et quelle est l'influence, quel est l'impact des mouvements de sable sur leurs maisons. Nous avons collecté pas mal de données. Une famille, par exemple, a tenter de survivre dans cette région inondée par le sable. Voilà donc le foyer de cette fille que vous avez vue précédemment. Et puis, vous avez vu également des exemples pris par soit drone, soit satellite. Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude, vous voyez l'étendue de ce désert et vers où se développe ce désert et à quel point toutes ces villes proches de ce désert risquent d'être inondées par le sable. Là aussi, les Chinois sont très bons lorsqu'il s'agit de relocaliser ces habitants. Voilà les villes pour les migrants écologiques, comme on les appelle là-bas. C'est un exemple d'une des nombreuses villes pour 320 000 personnes victimes de la désertification. Donc, victimes du changement climatique, ça a l'air pratique, certes, mais il ne faut pas oublier que ces personnes quittent des endroits où ont vécu des générations et des générations avant eux. Et il va falloir s'habituer.
à cette situation qui n'a rien à voir aux conditions de vie précédentes. Là, par exemple, comment garder les moutons dans ces espaces urbains? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été habitués. Et les seuls emplois possibles, ce sont des emplois pour les femmes qui travaillent sur des champs de pastèques. Et les enfants, au lieu de courir dans les dunes, eh bien, maintenant, sont appelés à survivre dans la jungle de béton. Encore un autre endroit, le Niger, qui fait face à ce manque d'eau, toute cette Afrique occidentale. Dans cette Afrique occidentale, au Niger notamment, l'effet de la sécheresse sur toutes ces familles, dans toutes ces villes, d'où viennent tous ces migrants qui fuient vers l'Europe après des non-récoltes. Donc ces récoltes catastrophiques, ces personnes prennent une décision très difficile, à savoir quitter la communauté, quitter et être victime des trafiquants qui leur promettent de les amener en Europe. Toutes ces personnes mal nourries, toutes ces personnes victimes de la sécheresse, c'est un problème énorme. On estime qu'il y aura 150 à 2 millions de victimes du changement climatique, de migrants climatiques. Voilà un des exemples. Voilà le désert vers la Libye, ces personnes qui font des économies pour payer les trafiquants qui les transportent par camion entre Agadez, Niger, Libye. Un après-midi, nous sommes allés suivre un camion. Il s'agit là d'un camion Toyota, une vingtaine de personnes qui ont payé quelques 800 à 1000 dollars pour payer pour ce voyage. Christophe voulait également que l'on parle d'une autre dimension. Nous avons montré beaucoup d'exemples déjà, mais voilà un autre exemple concernant la Bolivie. Il s'agissait là du deuxième grand lac en Bolivie, et au cours des 5 dernières années, ce lac a pratiquement disparu. Nous sommes rapprochés de cette communauté, nous avons rencontré les pêcheurs qui vivaient de la pêche dans ce lac. Cette photo communique beaucoup d'informations, vous dit immédiatement l'étendue du lac. Vous avez des indications telles que la pêche à l'époque, de la grandeur de ce lac, cela vous donne une idée de ce qui reste de ce lac. Je me trouve à côté de ce bateau. Il y a mon drone qui survole, mais moi j'ai couru à toute allure pour essayer de disparaître du champ de ce drone. Je me suis posé la question de savoir, est-ce George qui se trouve là? Est-ce son ombre que nous apercevons? Beaucoup de ces images racontent une histoire. Il s'agit là de la même ville. Après la disparition des poissons et du lac, la communauté a été obligée de trouver d'autres moyens de subsistance. Vous avez par exemple cette paille qui va leur servir à fabriquer des chapeaux qu'ils vont vendre sur les marchés, mais ces marchés se trouvent à une très longue distance. Et puis il y a également la récolte du quinoa. Ils se sont dit qu'il y avait peut-être un marché pour le quinoa. Ils n'avaient jamais planté le quinoa. Et finalement, la récolte était tellement misérable qu'ils ont abandonné cette idée au bout d'un an.
Il ne s'agit pas uniquement de la disparition du lac, il n'y a pas uniquement la disparition de la pêche, de la culture et de leur régime. Ils ne mangent plus de poissons, ils mangent des légumes qu'ils partagent, mais ils sont obligés maintenant d'aller dans les fast-food pour se réhabituer à un nouveau régime. Ils vont également maintenant vivre d'autres choses. Ils vont vivre de la récolte du sel, où il peut faire très, très chaud ou très, très froid. C'est un environnement épouvantable, donc ces mines de sel qui n'est absolument pas leur environnement naturel. Nous en avons déjà parlé. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à les montrer en galerie, dans des galeries avec des installations spécifiques pour donner une autre dimension? Le journal, c'est très bien, mais lorsque je regarde la dimension esthétique de ce que vous faites, c'est tellement proche de ce que l'on peut voir dans des galeries et surtout votre narratif, tout ce que vous tentez de raconter. Je pense qu'il n'y a plus de barrière. Ah bien, merci, merci. Mais c'est une des raisons pour lesquelles nous montrons ces photos ici et au cours de cette exposition, mais aussi ailleurs. C'est vrai que ces photos ont une grande dimension esthétique, mais la force de l'image sous-tend un narratif extrêmement puissant. Il est évident que la composition est tout à fait magnifique et nous voudrions voir ces images. Il y a d'autres photographes talentueux. Mais ma priorité, c'est maintenant l'utilisation du drone. J'essaie de résumer ce qui se passe en une seule image. Pour la Bolivie, en voilà un bon exemple. Nous avons essayé de capturer plusieurs éléments. Cette illustration qu'offre le drone. Cette photo donne à une dimension très émotionnelle. Vous avez une famille qui retourne vers sa famille, d'autres membres de la famille qui étaient restés sur place après l'assèchement du lac. Eh bien, nous avons aussi tenter de regarder les autres impacts du changement climatique. Il y a également tout ce qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Que s'est-il passé? Nous avons, lorsque je dis vous, nous, pardon, c'est moi. Je travaille de temps en temps avec un reporter ou un interprète, mais nous sommes toujours une toute petite équipe, ce qui nous permet de pénétrer dans des cultures de manière plus intime. Voilà l'île de Pâques. Ce que vous ne voyez pas dans ces vidéo, eh bien, c'est tout ce qui a précédé, c'est-à-dire 3 mois et demi d'administration. Mais peu importe, ce qui est intéressant ici, c'est d'une part ce patrimoine qui risque d'être perdu à cause de l'érosion. Et se situe littéralement tout au bord de la rive où des choses ont déjà disparu. Évidemment, c'est terrible pour le patrimoine universel, mais cela dépend également, c'est important également pour les habitants qui dépendent du tourisme. Les habitants qui ont organisé leur mode de vie en fonction du tourisme. Puis il y a le Liban, les cèdres. Les cèdres qui sont le symbole du Liban. Vous avez par exemple le
drapeau libanais qui flotte à partir de l'arbre. On trouve le cèdre sur les timbres, sur les photos. Eh bien, les températures augmentent et atteignent un niveau tel que ces cèdres, eh bien, on ne les trouve qu'en altitude maintenant, et de plus en plus en altitude. Et au fur et à mesure que l'on descend, eh bien, les cèdres meurent. Or, il n'y a pas de grandes altitudes au Liban. Nous en sommes pratiquement au sommet maintenant, et il n'y a rien au-dessus pour les cèdres. Autrement dit, il n'y aura plus de terrain viable pour les cèdres à l'avenir. Voici un des derniers cèdres du Liban. Eh bien, on les retrouve dans les jardins de Libanais, mais ils poussent là, ils ne sont pas censés pousser. C'est un effet tout de même assez dévastateur également de ce changement climatique. Revenons en Europe, parce que vous avez ici les îles Orkney, près de l'Écosse. Vous avez ici un site archéologique de 4 à 5 000 ans. La moitié a déjà disparu dans l'océan. Et sur le plan technique et esthétique, chaque fois que Josh se déplace, il essaie de réfléchir à la manière dont il peut réinventer les choses en utilisant son drone. Ce n'est pas toujours le même balayage, ce n'est pas toujours la même technique qu'utilise Josh. Il ne faut pas que cette vision devienne une vision familière. Voilà donc un des nouveaux défis pour Josh. Pas uniquement trouver les images pour étayer sa thèse, mais également représenter ces images de façon différente. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Josh m'a envoyé en prévisionnage. Et vous avez également cette visibilité 360 degrés sur ces îles Orkney. Moi, je suis très admirative de Josh, qui chaque fois réinvente sa technique. Je pense que les meilleurs photographes sont appelés à toujours réinventer les choses. C'est intéressant non seulement pour nous, mais pour celui qui fait les images. Lorsque j'ai utilisé ce drone, alors vous avez des drones où je dirige le drone manuellement, et là c'est un défi en fonction du vent qui vient de l'océan. Les vents sont très forts, il m'a fallu une soixantaine de prises, et moi j'avais beaucoup de batteries, chaque batterie pour 18 minutes. Et de temps en temps j'étais frappé par le vent, il fallait que je recommence. Et puis, il y a également la couverture nuageuse. S'il y a un nuage qui bloque le soleil, ça change l'exposition, les choses ne sont plus viables. Donc, aussitôt qu'il y avait un nuage, il fallait que je ramène le drone au sol. Il se passait beaucoup de choses dans les îles Orkney. Et vous savez, les Royaumes-Unis, la régie de cet espace, il fallait l'autorisation de chaque propriétaire de chaque espace. Vous avez ici deux propriétés qui sont impliquées dans cette photo. Il faut l'autorisation de ces deux propriétaires, et tout ça pour 15 secondes de prise. Voilà Scarborough Brae. Je ne sais pas si vous connaissez ce site archéologique de 5000 ans. Vous avez déjà un mur qui a disparu, un autre mur a été reconstruit, mais tout près, là aussi, du bord de mer. Un grand nombre de ces sites, et en fait, c'est une course contre le temps pour préserver ces sites archéologiques. Ces sites risqueraient d'être inondés et ne plus faire partie de ces trésors de l'UNESCO. Lorsque nous avons envoyé Josh à Yellowstone, vous avez certainement déjà compris
que beaucoup de recherche est faite en amont du projet. Vous passez énormément de temps à vous préparer, à obtenir des autorisations, à faire de la recherche, plutôt que de être présent physiquement. Oui, la préparation logistique de 1 à 3 mois et mon séjour sur place est de 12 jours. Donc, je passe énormément de temps à la préparation et à la logistique, plutôt que d'être sur site. Alors maintenant, pour ce qui est du Yellowstone, c'est un parc national aux États-Unis où il y a toutes sortes de règlements concernant les drones. On n'a pas le droit, en fait, de les faire voler. On avait préparé aux trois quarts notre projet. On avait essayé de voir comment nous pouvions esthétiquement réaliser les choses et incorporer quand même également un peu de mouvement. Et Josh a réfléchi à la photo, non pas en utilisant des drones, mais en utilisant un décalage dans le temps. Voilà le Yellowstone River. Voilà une idée de la majestuosité de ce parc national de Yellowstone. C'est un des endroits les plus beaux qu'il m'a été donné de voir. Vous avez les bisons, les loups, encore, qui interagissent dans le même espace. Et voir ce phénomène est extraordinaire. Vous avez quelques bisons également qui sont chez eux dans le Yellowstone. Et ce qui les menace, c'est cette invasion d'herbes qui n'est pas possible pour ces bisons. Ils ne peuvent pas manger cette herbe. Mais les bisons doivent également survivre. Les loups ont besoin de survivre. Il y a donc une disruption de ce cycle, là encore, à cause de ce changement climatique. On a vu les statues sur l'île de Pâques. On a vu tous ces icônes du patrimoine. Nous avons ces sites archéologiques. On voit Yellowstone avec les bisons et les loups. Nous sommes attachés à tous ces sites, à ce patrimoine. Nous avons toujours pensé que tout cela était immuable. Or, non, tous ces objets sont menacés. Edward Martinsky, quel est votre lien avec lui au cours de ces 10 dernières années? Il a travaillé en Afrique, il a travaillé sur ses infrastructures. Oh, si vous regardez son œuvre, eh bien lui, il sera là à 5 heures pour signer son travail. Moi, il y a John Steinmetz de National Geographic et qui, eux, ont une marge de manœuvre sur ce qu'il fait. Et lorsqu'il montre l'environnement, cela vous déchire le cœur, certainement, mais en même temps, c'est magnifique. Lorsque nous essayons de voir les histoires que nous tentons de raconter, il s'agit plutôt de l'histoire de l'homme qui souffre du changement climatique plutôt que du contraire. Et son livre, c'est une étude magnifique. Et je crois que c'est également une approche très intelligente. Qu'a fait l'homme depuis longtemps, d'ailleurs, et qui a des effets maintenant sur nous? Vous avez effectivement cette dimension graphique, cette manière de communiquer une histoire. Le photojournalisme nous avons par exemple Henrik Risset qui nous parle des réfugiés, des migrants
il y a les Kurdes, les Syriens, et son narratif est extrêmement puissant. Nous voyons les photojournalistes qui recontextualisent les choses. Est-ce que cette approche vous parle? En tant que journaliste, Josh, aura toujours la même approche rigoureuse, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de recherches en amont. Mais il y a des journalistes qui travaillent dans les deux domaines. Mathias Brugman, qui est journaliste photojournaliste, journaliste de guerre, mais également de l'environnement. Oui, mais il le fait de manière extrêmement distincte. Non, j'essaie tout simplement de vous provoquer un peu. En tant que journaliste, il est difficile, puisque nous sommes censés montrer ce qui se passe dans le monde plutôt que de provoquer une action. Ce travail est important dans la mesure où il s'adresse à nos 10 millions d'abonnés qui voient ce qui se passe, qui voient les effets du changement climatique. Nous ne sommes pas censé appeler à agir. C'est tout simplement la question de savoir qu'est-ce que vous choisissez de faire. Les artistes ne sont pas forcément des militants, des activistes, mais il y a tout de même la dimension interprétative de l'image. Nous avons vu beaucoup de scénarios de Josh, des images magnifiques, certes, mais des images qui ne montrent pas forcément les effets du changement climatique. Vous avez par exemple l'île de Pâques, vous avez les statues à l'intérieur de l'île de Pâques, des images que vous connaissez peut-être mieux. Josh en a fait des photos fantastiques, a utilisé au mieux le drone, mais cela n'était pas vraiment pertinent pour notre narratif. Donc, nous avons des limites, et surtout aujourd'hui, nous sommes assaillis de tous les côtés. Pour nous, il est très important d'en rester et d'être fidèles à ce que nous faisons. Voilà, pour terminer, les îles Galapagos, et qui est un site du patrimoine de l'UNESCO qui a été affecté par le changement climatique. On m'a tout de suite précisé, surtout pas de drone, mais après trois mois de négociations, j'ai pu utiliser un drone pour montrer ces scènes incroyables. Vous voyez, à marée basse. J'ai montré ceci à un scientifique. Vous avez ici trois espèces de tortues menacées. Les îles Galapagos, alors là, c'est vraiment un exemple très éloquent de ce qui se passe. Vous avez en fait trois courants. Vous avez les effets du Niño, plus que partout ailleurs dans le monde. Vous avez le refroidissement et le réchauffement très rapide qui se succèdent très rapidement. Vous avez par exemple ces phoques qui dépendent pour leur nourriture de sardines. Et puis vous avez les cormorans qui ont besoin de sardines. Et s'il y a une petite différence dans la température de l'océan, eh bien, il n'y a plus de sardines. Ces cormorans qui doivent nager, parce que ces cormorans ne volent pas, ces cormorans doivent nager pour
pour trouver leurs sardines. Il en a pas de même pour les phoques. Et on voit tout de suite l'effet après le passage du Niño. Là, par exemple, il y a une diversification dans leur régime. Il n'y a pas que les petites sardines. Ils essaient en groupe pour s'attaquer au thon. Ils essaient d'attraper ces thons ensemble, par groupe. Donc la question qui se pose est de savoir, puisqu'on a, vraiment là toute l'illustration de l'adaptation à la Darwin, le changement climatique est tellement rapide que nous ne savons pas si les animaux vont pouvoir s'adapter. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est par exemple ces iguanes marins qui sont, que l'on peut voir que dans les îles Galapagos. Ils passent leur jour à se réchauffer. Ce sont des animaux sans froid et ils chassent dans l'océan. Moi, je n'ai pas pu utiliser de drone. Il a fallu que j'utilise autre chose. Me voilà. Je ne vais pas utiliser de drone, a dit Josh. On parle de température de l'océan, de l'histoire océanique. Il va falloir que j'apprenne à plonger. And scuba diving is one thing. La plongée, c'est une chose, mais plonger avec des courants et sans avoir les griffes de l'iguana pour s'accrocher aux coraux, c'est très difficile, surtout avec cette caméra très volumineuse. Voici certaines des images qu'on a pu obtenir avec cette caméra sous-marine. Vous aviez parlé de l'adaptation vraiment spectaculaire auquel se livrent les animaux. Cet iguane marin, au fur et à mesure que la température augmente et que les animaux dont il se repaisse diminuent, eh bien, les scientifiques pensent que les iguanas sont en train de réduire la taille de leur squelette pour avoir besoin de moins de calories, ce qui semble être une mesure d'adaptation tout à fait extrême. Mais c'est une photographie qui, pour moi, est absolument splendide. Et voici vraiment l'un des points forts de mon voyage au Galapagos. C'est le pingouin de Galapagos qui est en train d'essayer de pénétrer dans une... un groupe de sardines. Vous verrez en parcourant les photos dans l'exposition que Josh et moi, même, avons travaillé avec une éditrice, Nina Shipman, pour essayer de créer une installation des photos obtenues avec le drone. Donc, il y en a beaucoup plus que ce que nous avons pu vous montrer aujourd'hui. Et ça sort un peu du contexte du journalisme. On a simplement édité cela pour avoir un impact journalistique, mais c'est vraiment des très, très belles images et c'est carrément une méditation. Est-ce qu'on a la possibilité d'écouter les questions du public? On a juste le temps de répondre à quelques questions. Question inaudible pour les interprètes. I'm sure you are following the science. That's following their lead. But have you felt that you found something that... Sorry, could you talk in the microphone? Oh, because we are recording everything. It would be nice. Or I can repeat it. I'm sorry. Yeah, no problem. Again, do you feel as a photographer or an image maker... Est-ce que vous considérez en tant que photographe ou faiseur d'images que vous avez relevé des aspects des changements climatiques que les scientifiques eux-mêmes n'ont pas repérés ou identifiés? Les scientifiques, non, je ne pense pas. Mais pour certaines des communautés que j'ai visitées, par exemple, dans l'île de Pâques, où j'ai pu prendre des photos par drone de zones qui sont très inaccessibles, ça leur a montré qu'ils étaient vraiment sur le point de perdre certaines de leurs statues et ça provoquait des discussions et des débats. Mais nous suivons
tout à fait ce que disent les scientifiques. C'est très difficile pour nous de comprendre de ce que l'on voit. Et les scientifiques qui travaillent dans les îles Galapagos sont sur place depuis des décennies et eux, ils s'intéressent à des tendances au long cours. Et c'est ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement un événement de El Niño, mais c'est ce qui se passe entre El Niño et El Niña et se bascule. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire que j'ai des scoops, mais très honnêtement, on suit dans les pas des scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce que fait Josh et les autres reporters, c'est qu'ils utilisent tous les moyens réunis par ces scientifiques et donnent une représentation visuelle au travail de ces scientifiques. Et les choses que ces scientifiques sont en train de découvrir auront une plus grande portée à l'extérieur. Et c'est ça le rôle qu'ils peuvent jouer. Et au Groenland, après avoir montré ses prises de vue aux scientifiques, aux scientifiques, aux chercheurs avec qui j'étais, il a pu comprendre et apprécier ce qu'un drone peut faire. Et lui, qui était en train de lancer des bouées dans l'eau, et chaque bouée était dotée d'un modem satellitaire. Donc, il s'agissait de récupérer des données sur les flux des courants. Et on espérait que l'antenne satellitaire pourrait récupérer l'antenne des falaises de glace. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à avoir l'idée que le drone pourrait simplement suivre la bouée et que ce serait retransmis par Wi-Fi et pas par satellite. Et les transmetteurs du drone sont beaucoup moins chers. Et il avait un budget pour 6 Wi-Fi de nature. Et l'année prochaine, bien sûr, il a pu multiplier ses efforts. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire. Microphone here in the front row, if you don't mind. The front row right here. Thank you. I wondered if you had ever gone to Madagascar. Est-ce que vous êtes allé à Madagascar? Devastation that's been occurring there due to the. Dans ce pays, la dévastation écologique est vraiment terrible à cause des plantations de vanille. Et avec beaucoup de destruction et d'intervention armée. Et le trafic des êtres humains, est-ce que vous avez des histoires pour Madagascar, c'est une très bonne idée. Et c'est vrai qu'on est tout le temps en train de réfléchir à la prochaine destination et je vais certainement m'y intéresser. Au Niger, c'est vrai qu'on s'est entouré de précautions parce que cette zone désertique du Niger était dans l'actualité parce qu'un convoi américain avait subi une embuscade. Et donc, j'ai dû négocier avec l'armée nigérienne pour assurer une protection pour notre voyage. Et la règle, c'est qu'il fallait qu'on retraverse le checkpoint avant la tombée de la nuit. Et il fallait prépayer à l'avance les balles pour leurs armes. On avait 2 personnes avec 2 véhicules blindés. Alors, on ne prend pas beaucoup de risques, ou du moins, on prend des risques calculés quand on essaye de raconter ces histoires-là. C'est vrai, c'était un risque calculé. Merci pour une excellente question. Quand vous prenez des photos par drone, est-ce que vous pouvez le faire en temps réel ou est-ce que vous lancez le drone dans la direction voulue? Ah ben, c'est vraiment formidable. Si je pouvais faire exactement ce que je voulais. Non, j'ai un écran. C'est un iPad, en fait, ou ça peut être un iPhone. Ça dépend du niveau de la batterie. Et j'ai un petit boîtier de contrôle qui un peu comme les manettes d'un jeu vidéo avec un écran au milieu des manettes. C'est très difficile. Je travaille avec une autre personne. C'est d'habitude le reporter ou l'interprète qui regarde le drone et qui me dit si je me rapproche de vagues ou d'arbres ou de lignes électriques. Et comme ça, moi, vraiment, j'ai toute mon attention concentrée sur ma composition sur l'écran. Mais je passe également entre la vidéo et des photos. Alors, tout ce que vous avez vu, ce n'est pas des captures d'écran, c'est soit une photo au départ, soit une vidéo. Et il faut essayer d'arbitrer entre le temps de batterie et qu'est-ce que je vais dépenser sur quoi.
Au tout début, je crois qu'il y a un drone qui s'est abîmé dans les flots, si je puis dire. Oui, dans certains pays, il faut savoir quand on dit à l'interprète qu'il faut être informé s'il y a une vague qui arrive. L'interprète pensait que c'était manquer de respect de me dire que je me trompais. Et quand j'ai vu que l'eau montait dans la caméra, je l'ai regardé, une interrogation de regard, et elle s'est excusée. Elle pensait que j'avais tout sous contrôle. Et donc, je me suis jetée à l'eau pour récupérer le drone. Une dernière question, parce que je crois que nous sommes à court de temps. Merci pour ces images. Est-ce que vous considérez que vous êtes militant? Est-ce que vous militez? Est-ce que vous voulez changer la réalité? Est-ce que vous voulez sensibiliser les gens? Ou est-ce que vous êtes tout simplement un observateur qui retranslate ce qu'il voit? Non, c'est bien d'être qu'un observateur parce que je suis journaliste et nous sommes tenus d'être sans parti pris, d'être impartial, mais j'ai la chance de travailler pour le New York Times où nous n'avons pas besoin de perdre du temps dans le reporting. Par exemple, d'essayer de faire valoir le fait qu'il y a des changements climatiques qui sont provoqués par l'être humain. Le New York Times est d'accord et pense que l'être humain est à l'origine des changements climatiques et du réchauffement de l'atmosphère. C'est une chose qui est prise pour garante et donc c'est plus facile pour moi de raconter des histoires. Je n'ai pas besoin de passer tout mon temps à essayer de convaincre tout le monde que c'est vraiment du fait de la main de l'homme et de l'action de l'être humain. Mais mis à part cela, non, nous ne militons pas. Ça, c'est le rôle et le travail des militants, des ONG. Notre rôle, c'est de raconter l'histoire et si ça inspire les gens à passer à l'acte, c'est le rôle de ceux qui nous suivent. Notre rôle consiste à raconter l'histoire ou peut-être faire en sorte que le coût d'admission à des sites comme les îles Galapagos ou ailleurs augmente suite à notre passage. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, parce que ça permet aux gens de comprendre qu'ils doivent prendre soin de leur patrimoine. Merci.